Yay! Stream du Doom. Désolé. Là, mettons, je vais aller dans le menu, juste baisser le son parce que quand on baisse ça comme ça, je vais monter le son dans mes écouteurs pour entendre les affaires qui veulent m'arracher la tête. On m'entend, tout va bien, le son est correct. Ish. Ok, c'est pas trop pire. C'est pas si pire. On va survivre. Là, on va baisser le bloom. R.bloom quality 0. Fait que ça, c'est ma maison. Un bateau maison. T'es équipé, moi. T'es équipé, Amnesty, moi. Fait que t'es en sécurité, y a rien qui peut venir nous chercher. J'aimerais pas. J'aimerais ça me pogner à Argent Tavis. Ok, l'image, ça pourrait être plus smooth, mais. C'est demandant, hein. Est-ce que j'adore ma nouvelle carte vidéo? Ça va être tellement beau, là. Bon, ok. Faisons l'inventaire de ce qu'on a. Côté bouffe, j'ai rien. Hey, j'ai 99. Ok, j'ai zéro bouffe. Faudrait aller se pogner de la bouffe. Toi, t'as-tu de la bouffe? Tu peux monter de level. On va te monter ça. Oh, il te reste un peu de bouffe. Qu'elle m'a volé un peu de bouffe. Fais cuire ça. Savez-vous quoi, je devrais peut-être faire un petit update. Ok. Juste le nom du stream, puis on va mettre ça ici. Mettre à jour le nom du stream pour que le monde sache qu'est-ce que je fais. En passant, c'est un serveur public. Il y en a-tu tous vous autres qui voudraient jouer? Je vais mettre l'adresse IP dans le chat. Je m'en fous éperdument. Si vous êtes intéressé de venir sur le serveur, vous êtes les bienvenus. Ça vaut-il la peine que je mette l'adresse IP là? Bon, on fait que ça. Il reste un bout de bois. Ah! Tout, faudrait t'upgrade ton ordi, Pascal. On va prendre des Narco Berry. J'aimerais ça pogner un T-Rex aujourd'hui. En premier, j'aimerais ça avoir un Argent Tavis. Fait qu'on devrait aller à la chasse à ça. J'ai déjà fait le saddle. J'ai des Trank Arrow, j'en ai amplement. J'en ai 74. Moi, je vais mettre mes ressources là. Parce que mon oiseau sur le toit, il est pas ultra puissant. Hein? Puis il peut pas charrier trop de poids. Kérosène, une fois, je m'en prends une nouveau. Ça, je n'ai pas besoin. J'ai deux parachutes pour une raison inconnue. Ok, on s'en va chercher un oiseau. Non, 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 on va payer de la bouffe avant. Trois steaks, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Ah, on va aller avec ça. Au pire, je tuerai un animal, je le ferai cuire sur place. Comment c'est
C'est pas évident à jouer de mon bord. Ça va être intéressant à essayer de capturer des créatures. Ok, là, faut trouver un bon Argentavis. Quelque chose qui a un niveau acceptable. Des beaux coins. Faut que je me trouve une place tout pour faire une base fixe. Là, j'ai une base mobile qui est mon bateau. Mais j'aimerais savoir. Hey, c'est-tu des. Hey, j'en cherchais tantôt de ça, c'est-tu eux autres? J'en ai pogné un, là, mais j'ai eu tellement de misère à les trouver. Il y a ça que j'en cherche plus. Ah, c'est un castor. Oh! Hey, il y a un mammouth. Non, c'est pas un mammouth. On n'a plus les mammouths qu'on avait. Veux-tu un cadeau, Pascal? Si tu viens chercher la carte de ma vieille carte vidéo, je te la donne. Tu vas pouvoir rouler Ark Survival. À moins que t'aies pas de PCI Express dans ton ordi. Argentavis. Il est quel niveau? You. J'ai perdu de vue. Ah, il est là. You, il est là. Yo. Yo. Yeah. Il va nous attaquer. Elle marche bien, mais elle roule pas. Ah, il m'attaque, le petit cocksucker. Un niveau 19, hein, c'est à chier. On va laisser faire. On va en trouver meilleur. Ok, c'est CPU RAM. Ah, ça, je peux pas t'aider, par exemple. Ah, ta question de tantôt, quand je vais répondre. Ma nouvelle carte vidéo, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse, c'est une Asus Strix Radeon R7 370 overclocked 4 gigs de mémoire DDR5 256 bits. C'est ça. Ça va être sur ma nouvelle carte. C'est pas la plus haute gamme, mais c'est décent. Ça, c'est un RG. T'es-tu un RG? Je pense que oui. T'es quel niveau? Bouge pas, mon petit RG. T'es niveau. Pourquoi je vois pas le niveau? Yo. Ah, il est là. 6. Fuck off. Stig! Comment qu'elle va, la Stig? On va manger un peu. Ça noire un peu, hein? Ok, le stream a de l'air étoffé. C'est bon signe. It's a good time. Là, on va sortir une torchise, faire de la lumière. On va mettre ça à la place de la porte. C'est quoi ça? C'est un ours? Non, c'est un fiomia. Tortue, right? T'es-tu une tortue, toi? Tortue qui est en train de se faire bouffer par des raptors. Ha ha!
Ouh, il y a un drop là-bas. Un Bronto. Hello, monsieur le Bronto. Ok, on devrait aller chercher des drops. On va essayer d'essayer d'aller chercher lui. Je vais essayer d'apprendre à parler, comme disons. Là, je vais atterrir ici parce que mon oiseau, il a besoin de se reposer. Là, on va se faire attaquer, sûrement. Jesus Christ, le lag. Ça lag pas juste pour vous autres, ça lag pour moi aussi. Laissez-moi tranquille de sa gorge, le temps qu'il se repose. Ok, il est quasiment reposé. Bye, suckers. Ah, ok. Pascal, ça va. Ça a du bon sens. Ça va super bien, Stig. Puis toi, Stig. Ah, je te l'ai déjà demandé, hein. Je le répète un peu, c'est l'âge. Puis moi, dans mon temps. Je suis jamais venu jusqu'ici. Je suis loin de chez nous. J'espère que je vais retrouver mon bateau. Ah, pas de... Je suis sûr que j'aurai pas de problème. Oh, jeez, on est pogné dans la branche. C'était à chier, ça. Ça valait pas la peine, hein? C'est que j'ai hâte d'avoir une nouvelle carte vidéo, vous pouvez même pas imaginer. Je joue des jeux de même, j'aurais bien plus de fun. Là, c'est tolérable là, comme performance, mais... Oh my god. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Jesus Christ, il y a plein de serpents pis d'affaires. C'est quoi cette place-là? Oh, c'est plein de serpents. Moi, je m'en vais. Hey, y'a-tu un trou dans mon tank? Ah, ok, c'est... Ah, il y a une ruine aussi, ici. J'allais explorer ça. Je suis curieux. Comment qu'on fait pour rentrer là-dedans? Ça serait une belle place faire une base, hein? Wow, 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 wow! Motherfucker. Un petit raptor qui a décidé qu'il voulait venir manger. Là, il se bat avec un... Oh! Il vient de sauter en bas, il vient de sauter en bas. Ben, c'est-tu pas génial, ça? Ils sont suicidaires. Oups. Je peux-tu atterrir, là? Vas-tu me faire bouffer? Il y en a un, là, qui a l'air agressif. On va aller le tuer. Non, crache-moi pas dessus, salaud. Ok, je pense que je l'ai tué. Je vois plus rien. C'est un beau coin, pareil. Faire une base, là. Tu mets des clôtures pour que rien ne peut rentrer par ici, là. Mais je veux quelque chose proche de l'eau, par exemple. Ben, c'est proche de l'eau. Je pourrais mettre mon bateau. Ouh, regardez les mégalodons qu'il y a là. Je pourrais mettre mon bateau ici. Ok. C'est un pensez-y bien. On va aller voir les requins.
On va aller jouer avec les requins. On va aller se baigner avec eux autres. Ouh, faut pas que je touche à l'eau, c'est vrai. Tu touches à l'eau, tu tombes en bas de ton oiseau automatiquement. Ah, il y a un singe là. Oh! J'aimerais ça capturer un singe. Oups! Mauvais piton. Non, va-t'en pas. C'est un beau petit coin, faudrait jamais mettre mon bateau ici. Le jour s'en vient, ça sera en haut là. Oh, je me fais attaquer par une mouche ici. Hey, il y a des mouches, on se calme. Beau coin, il y a de la mouche là, mais... Ah, fuck les mouches. On continue à explorer un peu. Essayer de trouver mon RG. Fuck. J'ai ce drop là, mais il est dans le milieu d'une swamp. C'est pas la meilleure place pour... Wow. Qu'est-ce qu'ils font tout à l'entour de ça? Oh, c'est plein de serpents pis d'affaires. Je suis pas sûr que je vais aller là, moi. Les serpents pis tout. On va laisser faire, savez-vous? You're freezing, you should find some... Ouh, je suis en train de geler. C'est quoi environ toutes les armes du jeu? Ouf. T'as les arcs, arbalètes, bien entendu. T'as une carabine, t'as des pistolets. Une lance. Je sais pas, je connais pas le jeu à fond encore. Je suis encore en train de découvrir la majorité des affaires. Je sais que tu peux avoir des armes, des armes automatiques, tout le kit là. Ok, faut que je trouve mon RG. Ça c'est quoi? Ça c'est pas un oiseau, ça c'est un genre d'oiseau que je veux pas. Toi, t'es-tu un ours? Ah, je pense que t'es un ours. Yep. Oh, jeez! What the fuck? Il vole-tu, l'ours? Wow, il était capable de me suivre, ok. Des ours volants, hey, ça serait quelque chose, ça serait badass. Ouais, je dirais comme Rust, un peu, ouais. C'est une analogie, Ouais. Je vais répéter, ceux qui veulent venir jouer sur le serveur, il n'y a pas de problème. Je vais donner l'adresse IP. Ok, je peux atterrir ici sans me faire bouffer la face. On va l'essayer. Il y a un petit méchant là, mais il ne devra pas causer trop de problèmes. Oh, ça, je vais le prendre par exemple. Le reste, je m'en fous éperdument. Ouais, McDev, t'étais pas là, ouais, j'ai changé de jeu parce que, écoute, mon ordinateur, je suis plus capable de rouler Minecraft. Ma carte vidéo, elle chauffe, l'été est arrivé, il fait plus chaud dans la maison, surtout ce que mon ordinateur est installé. Il fait très chaud, puis là, ma carte vidéo, fait 2 semaines, j'ai de la misère avec, je suis en train de virer fou. J'ai des artefacts qui apparaissent dans l'écran, puis tout. Fait que j'ai décidé, j'ai acheté une nouvelle carte, mais je vais l'avoir lundi ou mardi, je ne l'ai pas encore. J'aurais aimé ça jouer à Minecraft, je vais partir à Sky Factory. Fait que ça va être dimanche prochain, on va se lancer sur Sky Factory. Mais c'est ça, je suis déçu parce que j'avais le goût de jouer. Fait que préparez-vous si vous aimez Sky Factory.
on va jouer. Ça va être a cool potato. Come on! Absolument, je vois des Argent Tavis tout partout, tout le temps. Ça, c'est un... Non, c'est juste un Pterodon. Je pourrais servir ma torche, hein? Tiens! J'ai retrouvé ma maison. Ah non, c'est ma première maison, ma ancienne maison. Ah, c'est où j'ai mis mon autre bateau? Fuck, je sais pas où j'ai laissé mon autre maison, moi. Wow. Me semble... Oh boy, c'est où, si j'aurais dû... J'aurais dû le marquer ça avant. Oups! Je pense que c'est par là. À moins que ça va y en aller autour ici. Ah, c'est par là. Wouhou! Atterrir deux secondes, ok, on va atterrir, je sais pas où. Lag, non, faut pas que je touche à l'eau. Esti. Hill Ghost, comment ça va, mon vieux? Mega Zip est installé là-dedans. C'est quoi ce que tu sais? En tout cas. Map. Ok, home, good enough. Parfait. Juste me fier à ça. Je vais enlever cette marque-là. Je vais aller voir l'île qui est en haut là-bas. Ok, on s'en va à l'aventure. J'ai besoin de viande cuite, je n'ai dessus. Oups, c'est pas ça que je voulais pas en tout. C'est ça que je veux. Ah, il descend, c'est bon. Dans mon feu de camp, là, la viande. À ce jeu, on se perd assez souvent et on construit des maisons, mais j'ai compté 18 maisons en tout en ce moment. 10 maisons. Ça donne les 8, là. Moi, je construis des bateaux, c'est tout. J'ai ce bateau-là, c'est mon troisième. Je n'ai battu un originalement, je l'ai... Bâti un originalement, je l'ai détruit. J'ai bâti mon deuxième qui était là-bas. Puis là, j'ai trouvé qu'il y avait des affaires jamais, mais des affaires jamais pas. Fait que j'ai décidé d'en faire un troisième. Puis ça, c'est le troisième. C'est la troisième itération de mon bateau. Je l'aime beaucoup, celle-là. On va aller stationner plus par là-bas. C'est pas la meilleure affaire à piloter, mais c'est pas super. Je vais le mettre au relot de bateau maison. Ça va bien, tu retournes sur Arc? Yep! Je retourne sur Arc. C'est pratique, mais ça a des limites de ce que tu peux faire. Je peux pas me faire un jardin, malgré que je pourrais peut-être, mais... Il y a des limites de ce que tu peux faire. Fait que ça me prendrait une base fixe en quelque part, puis me servir de mon bateau juste comme un Winnebago, pour aller explorer avec. Ça fait une bonne petite blouse sur la tente que je peux faire des affaires de base, mais ça me prendrait une place fixe aussi que je peux faire des affaires plus complexes. Ça, c'est mon ancien bateau. Celui-là, je l'ai construit en conséquence, comme je peux accoster, puis... Peut-être que je transforme en roche sur mon bateau. On fait ça comme ça. Fait que là, comme ça. Toi, t'es dingue, faudrait que je te trouve un nouveau spot.
C'est mon ancienne maison. Quand même beau. Là, j'ai fait la gaffe. Faut pas que je fasse ça. Hein. Faut pas que j'accoste parce que là, les méchants, ils embarquent sur le bateau puis ils attaquent mes dinosaures. Fait que faut toujours que j'arrête dans le milieu de l'eau avant de m'envoler en quelque part. On va l'essayer d'apprivoiser un T-Rex. C'est une bonne idée. Approuvez-vous. Je vais prendre à mourir, mais. Je sais où qu'il y en a. Hein. The fuck? Ah, Steve, dis-moi pas que lui est d'un jambe et je peux pas monter en haut de ça. God, je peux pas monter sur le toit. À cause. Est-ce encore des jambes? Non, il peut pas couler. Motherfucker. Ok, j'ai de la cave, moi, là. Hein? Ok, on va essayer quelque chose. Je peux-tu... Fuck! Huh. On va aller sur le bord de l'eau. Hostie. On va dire aux oiseaux de venir nous voir. Hey les oiseaux, c'est quoi le piton? Viens-t'en, on va y t'en. On va se mettre loin de la trappe, qu'on puisse monter après ça sur le toit. Oups, passer tout droit, c'est génial. C'est pas smooth, c'est pas évident, hein. Oups, là. Mais McDev, si tu veux venir jouer sur le serveur, tu me diras. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas grand monde qui joue. La plupart du temps, je vais être honnête, tu risques d'être seul. Surtout la semaine, je joue pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. Les fins de semaine, je joue pas mal plus. J'ai déjà 80 heures de mis dans le jeu. Fait que... Ok, c'est quoi que je vais faire? Oui, désaccoster le bateau. On s'éloigne de là. Ok. Je vais avoir quelque chose de gros puis méchant. Je pensais prendre un T-Rex, mais ça peut être tough. Et toi, tu montes de level, hein? Non? Non, pas encore. T'as la veille, mais pas encore. Ok. Ok, check bien ce que je vais faire. On va aller. Je vais aller chercher l'adresse IP. Tu pourras te connecter si tu veux. Mais comme je dis, on joue pas
Je joue les fins de semaine. Si t'embarques les fins de semaine, tu vas me voir là. Mais à part ça. Puis j'ai mis les micros, c'est global. Parce que par défaut, c'est quand tu joues, tu veux parler à quelqu'un, faut que tu sois proche de lui. Mais je l'ai mis global, fait que tu as juste à parler. Puis là, on peut se parler n'importe où sur le serveur. C'est génial. Connection info. Ok. Copier. Coller. Tiens. Oui, je m'en reparle là. Je vais aller voir la grosse île volcanique. Ça se peut, ouais, Pascal, essaye-toi. Puis au pire, baisse les graphiques. Moi, j'ai baissé beaucoup les graphiques. Je joue pas les graphiques dans le fond, mais même pas. Sinon, mon ordinateur, il me tuerait pendant mon sommeil. Mais essaye-les. Puis je joue avec les graphiques à chier, mais ça vaut à peine. Le jeu est vraiment intéressant. Puis quand tu mets les graphiques bas, c'est assez smooth. Tu vois mal les affaires qui sont à l'horizon, mais tu t'en fous. Là, j'atterrisse. Mon oiseau va être fatigué. Quand on va atterrir ici? Hey, on sent une maison ici. Oh shit. Ah, ok. Tu as réussi à trouver un spot? Génial. Ok, parfait, ton énergie est revenue, on repart. Nous repartons. J'ai jamais été à ce style-là, mais il me semble que c'est plein de T-Rex, plus d'affaires la même. Tu viens de la génération Commodore 64. Pourtant, t'es jeune. T'es plus jeune que moi. Ah, moi, tout, je suis génération Commodore 64. VIC 20, même. Premier ordinateur que j'ai joué dessus, c'était un VIC 20. Qui est l'ancêtre du Commodore 64. Non, si on n'ira pas, c'est dans le milieu de l'eau. Ok. Ici, c'est quoi ça? Une créature qui veut me manger à la face. C'est un Carno. J'irais pas un Carno. C'est plus petit qu'un T-Rex. C'est méchant. Fait que ce serait probablement plus facile à capturer. On a quoi? Un Rex avec une coupe de Carnot. En passant, pour ceux qui veulent embarquer sur le serveur, j'ai joué avec les paramètres. C'est plus facile, ça va pas mal plus vite pour tamer ces affaires-là. C'est un peu plus facile parce que je tentais pas de passer des heures et des heures à me faire une hache là. Fait que j'ai mis ça un peu plus facile, ça va un peu plus vite. C'est des T-Rex en masse, mais ça m'en prendrait un isolé que je peux attaquer en paix. Faut que j'atterrisse. Ich. J'aime pas ça atterrir ici, mais pas le choix. Faut que mon oiseau se repose. Non, c'est pas le temps de geler, c'est pas le temps de geler. Toutou Migda avec un Commodore 64, bon, on est tous des pros de Commodore 64, moi aussi, j'ai commencé en. Mon premier ordinateur, c'est un Commodore 64 en 1983, je dirais. Ça fait longtemps, je suis vieux. Hey Blade! Quelqu'un d'aussi vieux que moi. Salut Chuck et tout le monde dans le chat. Ça va, Blade? Malgré nos âges avancés. Hey, des RG! Ok. Ok, ça pourrait être intéressant, ça. Vingt-quatre. Au moins, on s'améliore. Toi, t'es quoi? T'es 8.
Tig? Ah, ok. C'est vrai, t'étais là. Elle est silencieuse, Tig. C'est bizarre. C'est des jokes. Blade, joues-tu à Ark Survival, toi? Oh, c'est de ça qu'on va se bâtir une base? I don't think so. Ah, ouais, ben ça se peut, là. Pascal. J'aime ça trouver une créature relativement méchante, ou bien RG. Isolé en quelque part, que je peux. Ça, c'est un raptor. Raptor, ça va vite. Ça peut être intéressant, raptor. Moi, c'est un Tandy 1000. J'avais pas assez d'argent pour me payer comme ça. Tandy! J'avais un ami qui avait un Tandy. Ça faisait un job. Il y avait pas beaucoup de jeux, par exemple. C'était ça qui était plat du Tandy. Vu que le Commodore était si populaire, tout était fait pour le Commodore. Level 10? I don't think so. Ok, on va atterrir, reposer l'oiseau pendant que c'est safe. Les carnaux là. Deux T-Rex, trois T-Rex. Level 19. Il n'y a pas grand chose de haut niveau sur mon serveur, honnêtement. Je sais pas ce que j'ai fait. Shit! Ça fait peur ça. Tu regardes dans ton télescope, d'un coup tu souris sur une tête de raptor qui en vient vers toi. Ok, c'est trop... J'aimerais ça capturer quelque chose ici, mais c'est trop dangereux. On va aller voir sur l'hôtel là, peut-être ce serait mieux. C'est quoi la boule verte là-bas? C'est-tu un... C'est quoi? Ok, c'est un drop que je voyais pas la ligne, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Deux RG. Un T-Rex, un autre RG, un autre RG là. Ça c'est quoi? Un genre de chat. Une place qui aurait une coupe d'RG isolée. Que je pourrais tranquilliser en paix sans me faire bouffer. Deux carnaux ici. Si je suis attaqué. Ah, il y a trop. Il y a trop d'affaires méchantes du style-là, oubliez ça. Je suis pas prêt pour ça. Ça me prendrait un Quetzal. Je peux me faire une base valante sur le dos d'un Quetzal, puis... Hey, j'ai un café, moi, aussi, je pense à ça. Tiède. On va se promener. À un moment donné, on va trouver quelque chose qui a du bon sens. Puis même s'il est bas niveau, je pense que je vais le prendre pareil. Puis je vais juste le faire monter de niveau. Ok, je suis correct en bouffe. Mon oiseau aussi. Ça, c'est un trike. J'en ai rien à foutre. J'en ai déjà un. Puis à part ramasser des bleuets, ça sert pas à grand chose. On va voler bas dans la forêt, comme ça on va voir ce qui se passe. On voit des créatures. Oh, il va falloir que j'atterrisse dans le plus vite possible. Wow! Attends un peu, je comprends bien. Tu prenais quoi? Une cuillerée de café instant, puis... Ça, tu prenais une gorgée de lait?
Moi, quand j'étais jeune, j'achetais carrément des. Des wake-ups, ça s'appelait. Ça s'appelle encore, je suppose. C'est des pilules de caféine. T'en pétais 2-3. Tu twitchais pas mal, là. T'avais des tics nerveux, mais t'avais de l'énergie. Ça réveillait en esti. J'aimerais avoir le fond pour pouvoir m'acheter Ark pour bientôt. Ben, ce serait parfait. Tu pourras venir jouer avec nous autres, mon cher Blade. Si t'aimes les jeux comme Minecraft, ces affaires-là, tu regretteras pas Ark. C'est quoi ça? Hey, c'est un RG. Il est-tu au niveau? Il est pris là. Ça pourrait être parfait, ça. Il est où? Il est là. Level 1. T'as chié, ça? Qu'est-ce que je fasse avec un level 1? Il y en a un autre, là. Mais il y a un scorpion et tout. Puis eux autres, je veux vraiment pas gosser avec eux autres. Parce que même si c'est pas ultra fort, hein, c'est qu'il te pique, puis là, il t'endorme. Puis une fois que t'es endormi, il abuse de toi. Ça me tente pas d'être enceinte d'un scorpion. Pour faire des beaux bébés, pareil. Oui, c'est ça, ouais, les pilules roses, exactement. Tu te ramasses le fond pour pouvoir acheter le blé. J'ai dit ta phrase, tu te ramasses le fond. Ça, c'est pas drôle, ça, se ramasser le fond. C'est un T-Rex, ça? Ça a l'air d'un gros T-Rex de fou qu'il y avait là. Et hop! Oh! Jesus Christ, il est gros. Ah! Non! Non, 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 non. Moi, je goûte pas bon. Je suis plein de cholestérol, lâche-moi. Fly me to the moon. C'est quoi ça? Je n'y vais l'autre fois, mais j'osais pas atterrir parce qu'il y avait une bête bizarre alentour. Ok, j'ai pas le choix, faut que j'aille voir. Curiosity killed the cat. Pourquoi? Pourquoi c'est là? C'est quoi? Pourquoi tu existes? Quelle est ta raison de ton existence? Défaut, ouais, ok. Ah, je dois aller travailler, j'ai mis un jour. Alright. Bon travail, mon vieux. Tu viendras jouer. J'espère que je vais te voir sur le serveur. Oh, il n'y a plus de bouffe, qu'un. Pauvre tigre. Pauvre tigre. Oh, j'ai oublié de monter de level. On va mettre ton wake. Tu peux charrier plus besoin. Ça prendrait de la bouffe. Y a-t-il quelque chose de facile là-dessus ici? Ta gueule, Pascal. Je sais que c'est de l'eau, mais pourquoi il y a un petit rond d'eau ici par rapport? C'est une eau magique? C'est une eau spéciale? Il y a Fiumia ici. On va tuer le Fiumia. Hey, le gros, viens-t'en. Hey! Ne te sauve pas! Je veux pas te faire de mal! Juste te tuer un petit peu. Juste un peu, là. C'est pas grave, ça, c'est le fun d'être mort des fois. Tiens! Tu sais, c'est fini, là. Hein? Là, tu fais des beaux rêves plaisants. Je sais que c'est un trou d'eau, mais c'est pas des maps faites au hasard, ça. Fait que le créateur de la map, il a mis ce trou d'eau là. C'est voulu. Aïe. Tu peux aller lâcher mon oiseau, toi? C'était quoi, ça? Pour mettre une petite crise de... Quelque chose. Oh, des mouches. Ah, ok, on s'en va d'ici. Les maringouins sont gros, mais c'est super ici. Ça se peut que c'est de la piste de Chuck, lâche le cul de cette pauvre. J'ai un seul poké avec moi. Avec mon bâton.
J'aimais ça, ils mettent mon bâton dans le cul. Ok, on va l'atterrir en quelque part pour que. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? C'est quoi vous êtes? Vous êtes qui, vous autres? Qui vous a donné la permission d'être ici? Ok, eux autres sont inoffensifs, je crois. Je peux t'atterrir ici? Là, j'ose pas. Non, ok. Si je descends à cet oiseau-là. Ok, il y a un petit. Lui, il est chien. On va le tuer avant qu'il vienne nous achaler. Des astuces de campi, des astuces de lag, ça aide pas. Hey, c'est vraiment pas le temps de laguer là. Oh my god! Tantôt on disait que c'est comme Rust. Oui, c'est comme Rust, mais avec une atmosphère pas mal plus hostile. Dans Rust, c'est pas mal juste les le monde. T'as des ours nouveau-tentin qui peuvent te tuer. Mais c'est surtout le monde qui est tes ennemis naturels. Ici, c'est pas autant le monde que les créatures. Pas sûr que c'était dans le temps des dinosaures, là. Les bébés dans le temps étaient larges à cause du montant d'oxygène qu'il y avait dans l'atmosphère. Ouais, c'est dans le temps des dinosaures. Mais enfin, on dit dinosaures pour une période assez large de temps, mais les dinosaures, c'est une petite période de temps. Il y a bien des affaires qu'on appelle des dinosaures qui sont pas des dinosaures. T'as-tu faim? Tiens, on va donner de la bouffe. On va prendre ça. J'ai du steak en masse. Ah, puis prendre toute la petite bouffe, hein. Hein, t'as-tu faim? Tiens, on a de la bouffe. T'as-tu chié? T'as-tu chié? Ah, c'est moi qui ai chié, ok. Oh! Es-tu à terre? Non, mais ça en vient, on va attendre ça, hein? Des fois qu'on aurait quelque chose de cool. Ok, là, ça me prend un RG. C'est quoi ça? C'est un esti de scarabée, whatever. Pas un scarabée, un scorpion. Va-t'en, personne t'aime. On pourrait essayer de le capturer. Nah. Je suis loin de la maison. Ça me prendrait quelque chose. Je capture quelque chose ici. Hey, on peut-tu? Ça, c'est des minous. On peut-tu capturer ça pour les rider? You. Je vais checker c'est quoi le nom. Je vais voir s'il y a des saddles de ça. Sabertooth, ok. Parce que je pense j'aimerais savoir ça. Si on peut les capturer puis se promener avec. Ouais, Ross, c'est le. Ça a l'air le fun, mais je pense que c'est un serveur où c'est que t'es des amis. Puis tu... Parce que sinon, le monde, c'est des estis trop de cul. Chacun son fantasme. Ok, saddle. The Sabertooth. Est-ce que ça existe? Oui. Donc, on peut les capturer puis se promener avec. Ok. On essaie tout ça. Il y a un petit ledge ici, là, on pourrait juste atterrir. Est-ce qu'il y a cette place pour. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouais, tu veux notre peau, toi, hein? Où c'est qu'on pourrait aller? Y a-t-il une place qui aurait un ledge qu'on pourrait s'installer puis tirer à notre guise? Ça, c'est le temps des dinosaures. Ross, c'est un bof, les chats. Moi, j'aime ça, les chats. C'est avec une petite sauce rosée, là. Mouah. Ok, je sais pas comment m'y prendre pour ça.
notre petit minou. J'ai des beaux là avec moi, que si je peux utiliser sur eux autres, ça me faciliterait la tâche. Félina! Comment qu'elle va, la Félina, en parlant de chat? Comment qu'elle va, mademoiselle Félina? You, notre chat? Il est là. Ah non, ça, c'est une tortue. Tortue puis chat, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des petites différences. C'est subtil, mais il y a des petites différences entre les deux. Ok, je vais aller chercher cette affaire-là. Il n'y a pas l'air à rien qui va venir m'attaquer. Il y a un scorpion là, mais. Il a l'air pas mal chill. Comment ça, Félina? Qu'est-ce qui ne va pas? Fun fact. Blueprint, on peut prendre ça. Tiens, tout ça bien. On va le voir pour les minous, si on peut pas en attirer un vers nous autres. Puis lancer ça dans les pattes pour le capturer. Fâché avec un ami. Ah! C'est plate, ça. Oh, here we come. Ok, il était par ici. On va essayer de l'isoler. Shit, ça s'en vient vite, ça. Haha, sucker! Ok, ok. Niveau 15, c'est mieux qu'un coup dans le cul, je suppose. Ah, lui, ça va y prendre de la viande, sûrement. Ok. Viens ici, mon petit oiseau. Donne-moi de la viande. Je t'en ai donné plein tantôt. Il faudra que tu partages avec ton nouveau ami, le minou. Oups. Ça, ça. Tiens, trois paquets devraient être en masse. Qu'est-ce qu'il a fait, ton ami? Félina, compte-nous ça. Tu vas pouvoir. T'as plein de monde ici. Là, on va pouvoir te donner des conseils. Puis ça va être génial. On est tous relativement intelligents. Sauf Pascal. Pascal. Il est tombé sur la tête une couple de fois, puis c'est ça. Il a le cœur à bonne place, mais c'est. C'est genre, il allume des feux, puis il oublie qu'il les allumait, puis. On sait un petit feu de camp, je crois. Qu'est-ce qui me manque? C'est toi qui as merdé. C'est toi qui as merdé? T'es pas supposé te fâcher d'abord. Hey, Madame Chuck! Comment qu'elle va, ma Madame Chuck? Enfin, je suppose que t'allais bien tantôt. Je suppose que tu vas encore bien. Cam. J'aurais dû m'occuper de mes affaires. Souvent, dans la vie, c'est une... C'est la réponse à beaucoup de choses, de se mêler de ses propres affaires. Mais, des fois, on veut bien faire. Wow, wow, wow! Et je devrais être correct. Ouf. Ça surprend, ça. Ok, un peu de ça. Un peu de ça. Ça va me prendre du thatch. Il y aura un arbre pas loin. Ouais. Fais un feu de camp, fais de la lumière un peu, qu'on voit ce qui se passe. Alright. Non, je viens de chier encore. Qu'est-ce qu'il manque? Stone. Oh, il manque deux stones. Tiens. Ok. C'est une lag. Camp, et voilà, craft. J'ai une chandelle sous... Ah oui, c'est dans le...
un peu de bois là-dedans. Tant qu'à être là, on va faire que... Ah, j'ai pas de bouffe. Toi, t'as pas besoin de... Ah, t'es un peu, on fait que le chat qu'on vient de tuer. On va manger du chat aujourd'hui. Tiens. Tiens. Come on, baby, light my fire. Let's set this world on fire. C'est-tu que je chante bien? Ça n'a pas de bon sens. Appelez-moi Céline. Ben, non, je suis un homme. Appelez-moi Céline. Céline Dion. Du chat. Il est de la badass. On va l'appeler Patate. En odeur de patate. Puis je pogne un chat un peu retardé, puis qui a de la misère. Puis genre... comme mon chat Speedy, je vais l'appeler Speedy. Mais Speedy, il a quand même un problème. Je pense qu'il y a une patte trop, il y a une patte trop courte, fait qu'il n'a pas l'air de marcher en ligne droite. Il tourne en rond. C'est un peu triste à voir, de le voir dans la cuisine, puis tourner en rond toute la journée. C'est plate. L'autre fois, Speedy, je pensais qu'il s'en venait à pleine course vers moi, de reculons. Mais non, c'est que sa face, il est comme, ça a l'air d'un anus, sa bouche. Mais c'est ça, je pensais qu'il courait de reculons, mais non. De reculons, il est capable d'aller en ligne droite, par exemple, c'est drôle. Mais quand tu le regardes de derrière, il y a de l'air vraiment d'une licorne avec sa queue. Ah, il est quasiment fini. Faut lui faire une... Là... il m'a fait la chicaner, je suis habitué. Oh. Non. Oh, fuck. Je peux pas me battre avec ça, moi, là. Non. Oh, Chris. Fuck. Bon, ok. Bon, attends. Ok. Close. On va donner un nom. Oups. Mais non, je sais pas écrire. Ok. Là, ce scorpion-là, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Là. Il est en train de... Bon, je pense que Patate va mourir. Me suivre. Oh! Ah, il est en train de tuer le scorpion! Oh! Let's go, patate! Ah, il a tué le scorpion! Ça, c'est ma patate. Oh yeah! T'es badass, patate! Oh yeah! Puis il ressemble à patate! C'est ça qui est le pire! Mon chat a vraiment l'air de ça! Ok. Montée de level, on va... Tiens, speed. On va pogner ma bouffe. Je peux-tu faire un saddle? J'ai tout ce qu'il faut pour faire un saddle pour ça tout de suite. Saber. Qu'est-ce que ça prend? Oups. Non, il faudra que je le fasse. Hein. Ok, là, ce qu'il faut que je fasse, il va falloir que je dise à Patate de rester ici. Il va falloir que j'aille chercher mon bateau. Puis qu'on vienne le chercher en personne. Ok, Patate. Désolé, mais il faut que je t'abandonne. Non, c'est pas ça que je voulais. Disable following. On va laisser de même, comme ça on va se défendre si ça se fait attaquer. Oh, non! Viens ici! Demain, il est ici!
Non. C'est quoi le piton pour... Aïe. Tête de cochon. Enable following. Il est temps. Laisse faire les poissons. Hein? Ici. On va te mettre à neutral. Puis à passif. Disable following. Ok, bouge pas, patate. Là, on va mettre un point sur la map. On est là. C'est à peu près à... Je dirais 61-58. 61-58. On va l'appeler patate. Patate, whatever. C'est juste temporaire. Ok, fait qu'il faut aller chercher le bateau. Wow, c'est une belle patate. C'est quoi, on va enlever le G1? Hey. Elle est belle. Je vais juste attendre qu'elle croise un T-Rex. Ouais, non. Le T-Rex, il n'y a aucune chance. Pas contre patate. Écoute, c'est patate, là. Bon. Je reviens, ce sera pas long, patate. Si tout va bien. Je m'en vais dans la bonne direction. Je crois bien. Non, je m'en vais dans la mauvaise direction. C'est par là faut aller. Patate, c'est la même chose. Même fruit. J'avais entendu parler d'une papate. Le fruit du papatier. Genre de fruit gros de même qui. Goûte la patate. Hey, je le veux cette affaire-là, moi. Vas-tu me faire agresser si j'atterris ici? Ça a l'air relativement safe. Hey, c'est un beau coin pareil, ça. Ça ferait une belle base ici. Des hosties de poisson, par exemple. Ils vont venir me déguster les orteils. Carno saddle. Ooh. Chitin leggings. Ooh. That's nice. Vous me croyez pas? Papetier, c'est le nom latin Papatus gigantus. La famille des concombres. Et ça se fait revenir, puis à cause tu l'as mis en mode passif, elle va être morte. Hey! Je sais qu'elle peut être morte. Puis j'espère que non. Je m'en vais pas dans la bonne direction, moi, hein? Où c'est que je m'en vais pour l'amour du ciel? J'ai été par là, ok. Par là, faut que j'aille. Papa, elle mourra pas. Elle va mourir. Mais elle mourra pas. C'est une fighters. Ok, c'est la bonne rivière, on remonte cette rivière-là. Ok, je vais chez Megazip là-bas. Ok. On se prend une petite gorgée de café. On va atterrir un peu, reposer l'oiseau. Qui vient de chier. Non, c'est moi qui viens de chier encore. Hey, mon bonhomme, il chie beaucoup, je trouve. Tous les fruits que j'ai mangés. Toutes les papates que j'ai mangées.
Faudrait pas qu'il va sur le feu de camp parce qu'il va donner une patate. T'es con. Une patate frite. Allez, repas sur le... You're starving. What? Je suis plein de bouffe, on va manger un peu quand. Et sa gueule de chaton, aucune chance de survie. Aïe, lâchez mon chat, il va survivre. Je vous garantis qu'il va survivre. Ok, on arrive au bateau. Jeez. Oh my god, c'est gelé. J'adore ma nouvelle carte. Une gorgée de liqueur aussi. Pendant que ça dégèle. Ah, il y a un ankylo. C'est-tu mon ankylo? Là, je parle d'un ankylosaure, pas d'un enculé. La même chose. Gary. Ben oui, c'est le mien. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça qu'il est rendu sur le bord de l'eau? C'est-tu Grosse Douceur? Pourquoi Grosse Douceur est là? On va aller chez Grosse Douceur. Qu'est-ce qu'il fait en dessous le bord de l'eau? Manger par Speedy. Ah! I don't think so. Le problème avec Speedy, c'est qu'il y a un gros problème de coordination. Habituellement, c'est ça. Il fait pitié. Je veux dire, c'est pour ça qu'on l'a adopté, parce que ses chances de survie par lui-même étaient très minces. Il n'est pas à s'occuper de lui-même. Il mange. Sa diète consiste pratiquement juste des mouches. Il mange beaucoup de mouches. Puis ça paraît quand tu l'approches, je veux dire, il miaule, puis il y a une odeur de mouche qui flotte dans l'air. C'est son repas préféré. Oui, Grosse Douceur, sérieux. Je sais pas quel nom il donnait. Je l'ai appelé Grosse Douceur. Parce qu'il avait l'air doux. Ce genre d'affaires que tu veux flatter, regarde ça, s'il y a de l'air doux. Hey! T'as des problèmes de... Ouais, en tout cas. Access Inventory. Sacré montée. Movement speed. Movement speed. Comment... Chris, combien de level tu montes? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant que j'étais parti? C'est bon. Health. J'ai monté de 3 levels pendant que j'étais parti. Huh. Je veux trader. Oups. J'ai redébarqué tout de suite, c'est génial. Bon. Hey, méga! Comment est-ce qu'il va, le méga? Bon, retourne dans ton spot. Gary, toi, tu montes de level? Ben oui, Gary, qu'est-ce qui t'est arrivé quand j'étais parti? Toi, on va augmenter ton melee, ton weight. Mais oui, il est tout 3 levels. Léon, lui, il est-tu... Léonard. Mais tout ce monde de level. Qu'est-ce que vous laissez tout seul plus souvent? Vous montez de level. Toi, on va augmenter ton movement speed. Mon petit chaton d'amour. C'est-tu méga que t'appelles de même? Wow! Love is in the air. La vaisselle d'hier est encore sur le comptoir. Un classique.
Bon, on va aller chercher patate. Ça va, j'ai pensé que tu streamais quand j'ai vu passer ton bateau en me voyant la mer. T'es-tu sur le serveur? Je me souviens plus quel bouton j'ai mis pour parler. Boom, 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 whistle drop, whistle drop, whistle drop, ah, c'est quoi? Toggle, push to talk. B. B? Ouais. Un de testing, 1, 2, 3. T'es-tu là? Faudrait changer les settings, ce qu'on voit quand le monde embarque sur le serveur ou non. Parce que là, je savais même pas que t'étais là. Ouais, je suis là. Ah! Génial! Ouais, j'ai mis les settings pour qu'on soit n'importe où sur le serveur, on peut se parler. OK, mais tu m'entends-tu là? Ah oh oui, je t'entends. Juste dans mon oreille gauche, c'est bizarre, mais je t'entends, oui. T'es comme le petit diable sur mon épaule gauche. T'as-tu des problèmes de crash encore? Ouais, ça arrive des fois. Là, c'est moins pire. J'arrête pas de jouer avec les settings. Fait que je sais pas si ça a amélioré. Mais sais-tu quand t'embarques sur un raft ou c'est juste quand t'en vois un? C'est surtout avec des rafts, mais ça n'a pas rapport. Des fois, c'est quand je m'approche de l'eau. C'est bizarre. Je sais pas c'est quoi. Ok. Il te susurre des mots doux à l'oreille. Vous entendez les mots doux? Ben, je suppose. L'entendez-vous? Entendez-vous, Mega? Ok, papa, t'es par là. Ok, let's go. On continue. On continue l'aventure sur la rivière. Par là. C'est-tu le plus gros bateau que tu peux avoir? Non? Ben, en largeur, c'est dur d'avoir plus large que ça. C'est fou, hein? J'entendais ma voix en double. Ouais, j'en doute pas. C'est pas le plus gros bateau dans le sens que tu peux mettre des fondations sur le raft, c'est le maximum de largeur que tu peux aller, parce que les fondations, il faut qu'elles soient qui touchent au bateau. Mais en hauteur, il n'y a pas de limite. Il y a une limite, mais j'ai changé les paramètres du serveur qu'on puisse mettre des structures plus grosses sur les bateaux. L'arche de Noé, yep! Je vais voir un chat en plus sur mon arche de Noé. Parce que là, on s'en va chercher patate. Oh, il y a un drop là-bas, on va essayer d'arrêter puis de la ramasser. On est rendu là. Ouais, je suis Noé, oui, appelez-moi Noé. Noé Gingras, mon nom de famille c'est Gingras, hein? Patate est pas morte. Si Patate a meurt, j'en capture un autre, je l'appelle Speedy, puis je le fais cuire. À feu doux. Si Patate est morte, là, j'en capture un paquet, je le donne tout chacun de vos noms, puis je les sacrifie tous au dieu des patates. Ok, on est rendu. On est rendu où? Ok. On est rendu là. Il reste juste. Et c'est loin, Nasty. J'ai un peu peur pour papate. J'avais un Argent Tavis, quelque chose comme ça, je pourrais la pogner dans ses pattes et l'amener jusqu'ici. Tu vas mourir avant. Pff. Oh yeah. Je pense qu'il m'a capturé quelque chose, là. Il m'a appelé Stig, là.
J'ai l'impression qu'on va le faire cuire. Qu'est-ce que vous en pensez? On passe au vote. Dites pour ou contre. S'il y a plus de pour que de contre, je capture une bébite. Je l'appelle Stig, puis on le fait cuire. Personne va dire pour, c'est sûr. Mes gars attaquent Chuck. Stinkaba. Exactement. Une petite sauce rosée, là. Avec un petit à côté de Speedy. J'ai un petit Stig chez moi. Oh, aïe, un Spino, là. Ça, j'aimerais ça d'en avoir un aussi, ça nage bien. C'est badass. Ils me font peur, c'est trop gros. Avec mon bateau maison, là, je préfère de quoi qu'il y a du bon sens. Je pourrais attaquer des animaux sur le bord de l'eau, puis être en sécurité. Mais j'ai l'air délicieuse, du coup. Sure. Peut-être cholestérol. Plein de vitamines Stig. C'est une fille, on n'attaque jamais les filles. T'es trop galant. Mais dans le cas de Stig, ça s'applique pas. Elle est plus comme un gars. Jesus Christ, ça va être long, elle est là. Non, c'est pas si pire. On est quasiment arrivé. Alright, Stig, t'es chanceuse. Je n'aimerais pas un animal dans ton honneur, puis après ça, le faire cuire. Doudoudou. Prends une gorgée de café, j'ai le temps. Mais je m'inquiète pas pour patate. Voyez! Va hier! Pauvre Tig! Non, c'est une fille. Elle est toute petite, toute délicate. C'est une petite fleur du printemps. Ouais, à ton âge, on dirait plus printemps, hein? Fin de l'été, un peu. Vous voyez des animaux intéressants? Non, tortue, c'est pas intéressant. Fuck! Oh, wow, je les ai vus disparaître. J'ai vu Gary puis Grosse Douceur disparaître d'un coup, puis ça m'a fait peur un peu. Une soeur, non, je crois pas. T'as de merde en son honneur. Ouais, on va l'appeler Voshi en ton honneur, Stig. Prochaine créature. Ah non, au lieu de faire que je vais nommer. Parce que dans ce jeu-là, c'est un jeu très très intellectuel. Puis on peut chier. Puis on peut ramasser une histoire à terre. Puis on peut le lancer à part de ça. Fait que je vais nommer une créature en ton honneur, Stig. Puis je vais y lancer. Lancer des affaires. Tiens, on vient d'entendre justement. Tiens, il y en a un qui vient de chier. Là, on voit. Tiens, un petit tas de marde qui roule sur le quai. Là, on le voit là. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je veux. Ok, on approche. On tourne ici. Génial. Ah, il y a un mégalodon, là. Il est petit, c'est un petit mégalodon. Moi, j'avais un gros badass mégalodon. Mais là, je sais pas, je devrais m'installer proche de chez Mega ou trouver une autre place.
Le coin que j'ai trouvé tantôt était vraiment nice. C'est un petit peu trop. Je sais pas. Continuez à penser. Si vous avez une idée ou si je préfère une base ou une idée de base, quelque chose serait cool. Ne vous gênez pas. Bon, on est rendu où? Un mauvais bouton encore. On approche de patate. Je vais par là, je crois. Je crois bien. Appelez mon bateau. Mon bateau, tellement. Non, on m'a appelé. On m'a trouvé une créature. On m'a appelé Madame Chuck, là. Faut que je fasse belle attention, je vais avec elle, hein? Faut que je fasse belle attention à ce que je vais faire. Je t'écoute, puis je retourne lire avec. Alors, je reste plus pour Mich. Je reste juste pour Mich. Ok. Fais ta base dans le volcan. Ce serait intéressant, honnêtement. Le... Merci, assez de créatures méchantes dans ce qui est volcan. Il y a assez de T-Rex, puis de Carnot, puis d'affaires de même. Non, un autre qui vient de chier. Non, un autre qui vient de chier. Tout le monde chie. C'est le festival du chiage ici. Je fais bien attention, oui. Wow! Wow! Je viens de perdre Léon. Fuck! J'ai accroché Léon dans une roche. Léonard. Pas Léon, c'est Léonard, mais. Ok, on va casser la roche. On va accoster le bateau. Aller chercher notre Léonard qui a de l'aide d'un beau cave. Il n'y a plus de roche, Léonard, tu peux tomber. C'est bien de faire attention. Ouais, je ne te ferai pas garder, mes petits. C'est pas à tout. Pas de problème avec ça. Tiens. J'ai un feeling que je perdrais juste Speedy de toute façon. Peut-être qu'il n'y a pas de danger ici. Tourner de même. Bon. On continue. On est-tu proche de patate, là, avec tout ça? Oui, on est proche. OK. On va aller en éclaireur avec... Je suis plus sûr exactement où je l'ai laissé. Je vais aller en éclaireur avec le oiseau. En vrai, il monte la crise d'échelle. Bon, c'était où? Oh, un T-Rex, ouf. Hey, c'est ce qu'il fait là, ok, je pensais qu'il faisait du moonwalk. Je pense qu'il est juste ici à droite. Comme ici, là. Non. Patate, t'es où, patate? Check la map.
Ok. À moins qu'il était sur. Ok, ma blonde s'en va. Cool, on va faire quelque chose, nommer quelque chose en son honneur, puis on va s'amuser un peu. Ah, c'est là qu'elle est patate. Elle est supposée être là. Ah, je reconnais le coin. Elle est drette là, ma belle patate. T'es encore en vie à parler de ça. Ok. Génial. On va aller chercher le bateau. Il est où le bateau? Ouais. Il est en quelque part par là. Ouh. Faut que je repose mon oiseau. Yo, mon bateau! J'étais si loin que ça? Il semblait que non. Non, j'ai perdu mon bateau. Est-ce que ça va vrai? C'est ici, peut-être? Non. On va continuer par là. Au pire, je vais remonter à la rivière. Je pense pas, j'étais pas loin de moi. N'est-ce pas? Moi j'ai parti du mauvais bord. Oups. Ah, je suis parti du mauvais bord, c'est-tu. Ok, il faut que j'atterrisse encore, reposer mon oiseau. L'énergie monte. Bah, et voilà. Qui fait que patate est là. Rentre dans la roche, cap de roche, la face dans la roche. Il y a un T-Rex d'être là, ça me rend nerveux, pauvre patate. Malgré qu'il est isolé, on pourrait essayer de le capturer. Mon bateau est juste là. On va aller récupérer patate, après ça, on va essayer de capturer le T-Rex. Ah, est-ce que Pascal va pouvoir se joindre à nous? De l'entrée. Petit lag. Moi, j'ai 4-5 oiseaux de perdus dans les bois sur ma couche en poids. Toi, t'abuses des animaux, mes gars. Abuseur d'animaux. Monsieur T-Rex, ignorez-moi, c'est juste un bateau. La croisière s'amuse. Hein? Oh fuck. Il me tue, il me court-tu après lui là? Ah, Steam suit le tabarnak. Non! Ok, là je panique. Pas le temps, le lag, là. La Steam suit encore, la Steam Motherfucker. Il va se décourager maintenant.
Salut, il lag le jeu. Non. T'as quand même un bon sens de l'évident. Ah non. Et où patate? Fuck. Ah, elle est là. Ok, vite. Il y a un. Quelqu'un qui veut bouffer ma patate, là. Fait que. On va aller s'en occuper. Là, première affaire, on va checker si le T-Rex en vient encore. Ok, il a abandonné le T-Rex. Ok, génial. Deuxièmement, on s'occupe de Monsieur le Dilo, ici. Of course, il me crache en face. Ok, il est mort. J'essaie de trouver comment connecter par IP. Pas évident, non. Faut que tu le fasses par Steam, c'est con là. Faut être dans View, Servers, tu mets l'adresse là, puis là tu peux te connecter, mais c'est dans Steam. J'ai gossé en Steam et tout pour trouver. Ok, on n'a pas de T-Rex qui s'en vient. On va faire un saddle pour le Sabertooth. On va voir qu'est-ce que ça nous prend. Ok. Saddle. Sabertooth. Ça me prend 290 cuir puis des fibres, beaucoup de fibres. Ok. Je vais avoir le cuir que j'ai besoin. Ça. Plus ça, ok. Puis des fibres, je n'ai peut-être pas assez. Il va falloir que j'en récolte, mais ça, c'est un détail. Tiens, du cuir. T'en veux-tu du cuir? En voilà, le petit cuir. Ok, qu'est-ce qui me manque exactement? Ça, il manque un petit peu de fibres. Ok, on va aller chercher un petit peu de fibres. Pas de T-Rex, ok. Oups, rentrer dans les murs. Hey, il y a un gorille. On ne le niaisera pas parce qu'ils sont assez violents, merci eux autres. Ils vont nous laisser en paix, mais. Ah ouais, des fibres. T'en veux-tu des fibres? On veut de la fibre. Un autre petit shot. Boum, 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 boum. Ok. Saddle. Sabertooth. Craft. Je vais juste aller vider mon inventaire vite fait pendant qu'il craft ça. La roche, ça du chitin, je préférais me laisser là, c'est assez précieux, métaux, je vais le mettre là pour le moment. Les astuces blueprint, si j'en ai rien à foutre, on va mettre ça dans le coffre ici, avec les autres. Ça, ok, c'est mieux là. Je m'en vais, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Alright, patate. On va aller faire une raid de patate. Hey, touche pas à patate, toi et mon gorille. Access inventory. Sabertooth. Oh yeah. Ouh, et vite. Oh yeah! On a une patate à cette heure. On va aller chercher cette affaire-là, tant qu'elle est là, hein? Hey, ça va vite cette affaire-là. C'est. Ouh, écoutez le son! Ça fait le même son que mon truck. Tout à chier. Hein?
quelle créature noble? Tiens, on va la stationner ici. Là. Tiens. Puis moi, je vais tomber à l'eau. Ok, on va se faire un peu de lumière. Fait que du steak, tant qu'être là. Là, on va s'occuper du T-Rex. On va essayer de tuer pas de tuer le T-Rex, mais de le tranquilliser puis de le l'apprivoiser. Là, j'ai faim un peu. On va manger. Mais j'ai peur un peu avec le T-Rex. Il nageait, puis... J'ai peur qu'il attaque mon bateau, puis qu'il le détruise. Ok, il est là. On va l'observer. Level 3. On devrait être capable de tuer ça. Je pourrais aller en haut là. Ok. Regarde bien ce qu'on va essayer de faire. Ça pourrait finir mal, ça. Y'a-tu du nouveau monde sur le serveur? À part Megazip? Je sais pas si t'es encore là, Megazip. Puis moi, je t'observe de haut. What? T'es où, mon esti? Oups. On enlève ça. Je m'en suis dans la bonne direction, voilà, là? Je pense que non. Il a le T-Rex. Tu sais, si on s'installe, ça arroche ici, là. Il peut faire le tour puis venir nous bouffer par en arrière. Pourtant, il y a une place qui peut pas accéder à nous autres puis que je peux le tirer en toute quiétude. Ça peut-être. Il peut faire le tour par là-bas s'il détecte le chemin. Donc, on va l'essayer. Si je vois qu'il fait le tour, ben. Frapper. Ouais, c'est dur à dire. Puis là, je veux pas tomber en bas. Ah, il veut ma peau. Fait que je l'ai frappé. On pourrait l'amener en quelque part, par exemple. S'il me suit, je pourrais peut-être trouver une place. Cette roche-là, non, il va pouvoir m'avoir. Ça me prendrait mon autre bateau. Le bateau, je m'en fous que s'il le détruit. Mais il est trop loin. Je pense. Avez-vous des idées comment je pourrais me prendre? Sans mourir? Il a vraiment faim. Moi, j'ai pas d'idée. Huh.
Ok. Je vais mettre ça sur pause, cette idée-là. J'ai shut down. Ah, c'est chiant, ça. C'est bien bizarre, par exemple. Ok, on va oublier ça parce que. Yeah. C'est trop risqué. Ma maison est trop proche. J'ai vu un RG tantôt ici. On pourrait peut-être se pogner un RG par exemple. Non, 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 je sais ce que je vais faire. On s'en va ici, là. C'est notre belle petite maison. On atterrit. On se tasse du vide là. On a changé son nom, honnêtement. À cause de ça, j'ai pas le choix. Ça va être Papat son nom. Yeah. Ok. Là, honnêtement, ça va être tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, nouvelle carte vidéo. Fait que j'espère beaucoup. Fais-toi un jetpack. Oui, semaine prochaine, on va faire un jetpack. Non, peut-être pas la semaine prochaine, ça dépend. Je joue à Sky Factory, pour ceux qui savent c'est quoi. Si vous savez pas c'est quoi, je vais vous informer. C'est Feed the Beast, c'est Clean Machine pis tout, mais c'est un Skyblock. Mais avec Feed the Beast, c'est vraiment, ça a vraiment l'air cool. Là, m'enlever ma face devant le micro. Hein, on va en parler de même. Semaine prochaine, je voulais commencer aujourd'hui, mais à cause de ma carte vidéo, trop de misère, j'ai pas pu. Ben, cette semaine, je reçois ma nouvelle carte vidéo. Fait que la semaine prochaine, mon ordinateur va être pas mal plus performant. Fait que ça devrait être pas mal plus smooth. Yeah! Fait que, on va se reprendre la semaine prochaine. M'a faire. Ça va être assez pour aujourd'hui. Yeah! Là, non, 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 je déconnecte pas ici. J'ai une petite chambre justement pour me déconnecter. Parce que Ark Survival, ton corps reste là. Même si t'es plus serveur, ton corps est là, inerte, puis le monde peut. C'est ça. Puis je veux pas tomber enceinte. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, abonnez-vous. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est abonné aujourd'hui. Pas grave, on s'en fout. Je fais ça pour le fun. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous parle dans le prochain stream, la semaine prochaine. Attention à vous autres, le monde. Merci encore.